Hello, hello, hello. Alors, je suis désolée pour ma tête. Je suis désolée pour ma voix. Ma fille m'a refilé sa crève. Voilà. Donc, je vais faire au mieux, mais j'ai reçu du courrier et je voulais l'ouvrir en vidéo. Donc, voilà pourquoi. Vous n'aurez pas de créa, hein, forcément. Très franchement, je suis pas en forme du tout. J'ai froid, je suis pas bien. Bref. Passons, c'est pas grave. J'ai reçu un échange que j'avais fait avec. Alors. Guimauve et Paillettes sur Instagram et Violette, je ne sais plus, sur Facebook. Oui, parce que ça m'a perturbée. Donc voilà. Je sais que c'est Violette, mais voilà. Donc, c'était un échange de base. Pocket letter. Thème voyage. Vous voyez l'enveloppe. Ce n'est pas qu'une pocket letter. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, il y aura peut-être des pauses entre deux si je dois moucher. Hein, parce que je vais faire un direct avec vous. Et je ne fais que ça, donc voilà. Comment vous dire que c'est facile. J'ai mis la pente en tête. Je ne mets que du lave du coup. Voilà, cadeau. Oula, 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 oula. Oh, puis on a encore. Oula, oula, oula. Aïe. J'ai tout mis sur le bureau. Bah alors, c'est un truc de fou. Donc, ce qui restait... Dans l'enveloppe, ces deux belles plumes comme ça, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Hop, ensuite, là c'est scotché. Donc je vais aller voir là. Hop, on enlève. Le tissu est trop, trop, trop beau. Oh ah, génial. La réparation des Alpes. Mélange maison. Oh, trop bien. Je vais me faire une cafetière. Ah, c'est sûr. Je vais goûter ça. Trop bien. En plus, j'adore le packaging. Donc, le packaging, je vais le garder pour faire un junk, c'est sûr. Ah, c'est génial. Bon, par contre, du coup, vive le café. Il y en a plein de tissus. Donc, je disais, le tissu, il est trop beau. Voilà. Il est trop beau. Mais du coup, tu as payé une fortune d'envoi juste pour le café, quoi. Je te jure, c'est trop fort. Ah, puis il y a. Attendez. Parce que... J'ai deux autres plumes, donc elles sont toujours aussi magnifiques, et deux branches tirées de coton. Voilà. Hop, une enveloppe. Alors, une enveloppe. Oh, en plus, je l'ai déjà. En double, si toi aussi fais suivre. Bah oui. Ben je fais à suivre. Je l'ai aussi celui-ci. Ok. Pas de souci, on fait comme ça. On fait suivre. J'adore l'idée. Hop, je refais une petite enveloppe. Donc faites maison. Voilà. Et le papier est magnifique. Donc pour faire des rangements, c'est pas mal les enveloppes quand même. J'ai deux embellissements bois comme ceci, qui sont magnifiques. En plus, je crois que je les avais pas moi. Ou j'en ai plus, je sais plus. Mais je crois que j'en avais déjà reçu avec ma jumelle. Je prends une autre enveloppe. Je vais peut-être finir par tomber sur la carte. Yes. Oh, c'est trop joli. Alors. Oh, mais alors là, ça me va très bien. Tu ne t'inquiètes pas. Même le retard, c'est pas grave. Tu me tenais au courant, donc on va pas. Voilà. Ah, c'est pas grave du tout. Moi, je suis bien en retard dans les réponses du concours. Hein. Bon, là, j'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à attendre l'éteindre. Et on va faire encore 5-6 envois, je crois. Et je serai à jour. Waouh. Alors, toi et moi. Oh. Oh. Only for you. Seulement pour toi. Oh, ça sent la Saint-Valentin, ça fait. Voilà. Carte comme ceci. Elle m'a mis des chutes de papier ou des papiers d'ailleurs. Ah non, c'est des papiers trop bien. Et une enveloppe comme ceci pour les junk. C'est génial. Je vais mettre de côté. Ensuite, j'ai un papier. Hop, hop, à l'endroit, c'est mieux. Avec des cœurs. Oh ben je les ai. En plus, je l'avais pas celui-là parce que je ne les connais pas. Donc celui-ci avec des loves. Je ne l'ai pas du tout celui-ci. C'est pourtant je sais que j'en ai des blocs. Des loves comme ceci. Mais c'est vrai que j'en achète plus. J'aimerais juste acheter deux blocs 30-30 il n'y a pas longtemps.
parce que j'ai flashé dessus. Mais en principe, j'en achetais plus. Voilà. Comme tout le monde sait, je fais mes fonds moi-même. Alors, les papiers, je n'utilise pas trop. Voilà. Avec des cœurs. Que des cœurs. Que de la Saint-Valentin. Ensuite, elle-même. Waouh! Des fonds faits elle-même. Ah, ils sont magnifiques. Alors, on a un petit morceau comme ceci. Qui est magnifique. On a. Alors, il est trop beau. J'adore. Je kiffe. Je kiffe ce fond. Donc elle est comme moi, c'est-à-dire qu'elle utilise les arrières de papier qu'elle n'utiliserait pas pour refaire par-dessus des fonds. Parce que je vois qu'ici c'est pareil. Et en fait, elle a fait un fond elle-même de l'autre côté. Et il est magnifique. J'adore. J'adore. Ici, pareil. On a. Ça doit être avec, avec celui-ci. Voilà. Parce que je vois que c'est pareil derrière. Et donc je pense qu'il a été fait en même temps. Il est magnifique. Alors, vais-je trouver ma pocket letter? La voilà. Parce que de base, c'était ça l'échange. Ah, mon ami 2. Ah, elle en a mis 2. D'accord, sur le thème de mon défi. Ah, génial. Génial. Donc, le défi de janvier, c'était sur n'importe quel support, le support qu'on voulait. Je ne sais plus le défi exact, attendez. Je sais qu'il fallait le mot hiver. Mais alors, à toutes les comprendre par cœur, je ne sais plus. C'est pas grave, vive le bullet, je note tout. Facebook, voilà, défi art journal. Donc, du 1er au 31, l'hiver, présence des couleurs vertes et jaunes, au moins die cut et le mot hiver. Voilà. Donc, du vert, du jaune, ici sont les die cut, il y en a plein. Donc, c'est impeccable. Ah, c'est magnifique, j'adore. Donc, voilà ce que ça donne. Donc il fallait une ATC, elle en a fait 9. Voilà. Donc, c'est génial. C'est génial. J'adore. C'est magnifique. Et donc, sur le thème du voyage. Oh, j'ai une shaker. Ah non, c'est pas de shaker. Ça s'en va. Alors, il faut que je fasse attention. Je croyais qu'elle était fermée, mais non. Du coup, ou alors c'était derrière et c'est passé devant. Non. Pardon. Alors je vous la montre. Voilà ce que ça donne. Alors on a des dice cut, donc des sequins, un petit nœud, le stylo, écris ce que tu aimes. Je crois que c'est ça. Hello, thank you. Ah, elle est très jolie ta pocket. Très très jolie. Donc voilà. Une très jolie pocket letter. Et donc elle a été faite en juillet 2020. Voilà. Une très jolie pocket letter. Donc je te remercie énormément. Tu m'as trop gâtée, comme d'habitude. Le café, forcément. Trop bien. Je vais pouvoir me soigner avec. Ça va être trop bien. D'ailleurs, je reviens là. Je n'en bois un coup parce que c'est grave. C'est pénible, si vous saviez. J'ai mal partout. Bref, donc il me restera à tout ranger correctement. Hein, les pockets dans mon classeur à pockets. Les grandes plumes dont je vais me servir sûrement un de ces quatre. Etc. etc. Donc je vais lui remettre. Je vais remettre tout dans l'enveloppe. Je vais tout remettre dans l'enveloppe. Hop. Ça, ce sera arrangé. Et le tissu, j'adore. Je vais m'en servir aussi. Parce que je ne sais pas où tu l'as mis, mais il est magnifique. Magnifique et assez épais en plus. Donc, nickel. Et pour ce qui est du tampon, je pense qu'on le fera gagner sur la chaîne. Comme ça, il faut suivre. Je vais le mettre avec ceux de Lunasia. Et puis, voilà. Ah, j'avais pas vu. Donc, sur l'enveloppe. Donc elle va pouvoir me servir pour les junk aussi. Regardez. Elle a fait un travail de mail art. Avec Curica. De la musique. Ah, oh, c'est joli. Hein. Il y a de la pâte de structure. Ouais. Très très joli. Encore une qui va pouvoir partir dans un junk. Voilà. Voilà. Allez. Hop.
C'est le tissu qui m'embête. Et voilà. Alors, je te remercie énormément, Guimauve. Je vais t'appeler comme ça, parce que je ne sais pas sur, si sur YouTube, on peut dire ton prénom. Donc, je te remercie énormément. Je te fais d'énormes bisous, plein de microbes. Non, je rigole. Je te fais de gros bisous et moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, 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 ciao.